Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, les rumeurs commencent à être intenses. Carrément, les rumeurs, elles commencent à sentir. Tellement ça transpire. C'est du grand n'importe quoi. Vous le savez, ça y est. Zinedine, Zidane, ZZ. Pas ZZ pour celui qui a fait 7%. Zinedine Zidane. Tu vois, le frère du frère de Zidane qui a viré le Z. Tu vois, qui a fait 7%. Zinedine Zidane, celui qui est né à Marseille, qui a joué à Cannes, qui a joué à Bordeaux, qui a joué ensuite à la Juventus, qui a fait du grand n'importe quoi dans sa carrière. Le meilleur joueur français de tous les temps, le meilleur numéro 10 français, celui qui a mis 2 buts en Coupe du Monde 98, celui qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions, sera entraîneur du Paris Saint-Germain. On t'a dit, Paris, tout ce qui est possible, ils vont le faire. Tu comprends? Messi, il est venu. Tout le monde a dit, mais non, mais t'es malade, Messi va jamais venir à Paris, dans ce club maudit qui n'a pas d'âme. Et oui, un club maudit qui n'a pas d'âme a trouvé son âme et a fait venir Messi, parce qu'il était malheureux là-bas. Quand il a quitté le FC Barcelone, il était comment? Au chômage. Qui est-ce qu'il a sorti du chômage? Le Paris Saint-Germain, Neymar, était vraiment très très mal au FC Barcelone. C'est lui qui a contribué à la remontada. Et qui est-ce qui a été élu homme du match? Lionel Messi. Donc lui, il a dit, il veut quitter. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a ramené chez nous, au Bercail, là où on pouvait lui donner une vie saine et un salaire décent. Tu comprends? Ensuite, à Monaco, hein, ils se sont bien occupés d'un joueur qu'on prénomme Kylian Mbappé. Tout le monde a dit, mais non, il va jamais venir, c'est impossible, nanani, nanana. On l'a fait venir, il a fait des saisons monstrueuses. Le Real Madrid était sur lui. Tout le monde a dit, ouais, il va partir. Même le Real Madrid, tout le monde a dit, il va partir. Il est resté. Maintenant, on va faire venir Zidane, Dembélé, Pogba. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Paris Galactique, c'est pas possible. Hein? Paris Galactique, c'est pas possible. Voilà. Donc là, tu vas fermer ta bouche. Zinedine Zidane va venir entraîner le Paris Saint-Germain. De toute façon, tu veux qu'il entraîne quelle équipe en France? Hein? Si ce n'est le Paris Saint-Germain, l'équipe qui a la décence de pouvoir le payer et de l'emmener en Ligue des Champions, faire des matchs de niveau très intense. Tu penses que c'est qui? Hein? Lyon? Jamais. Saint-Etienne? Ligue 2. Tu veux que ça soit qui? Bordeaux? Ligue 2. Et voilà! Tu vas me dire quoi? Marseille? Ils n'ont pas le niveau financier et talentuellement. Je sais que ça se dit pas talentuellement, mais talent sur le terrain là. Quand Zidane, il va leur dire, faites-ci, faites ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui va marcher. Alors qu'au Paris Saint-Germain, on connaît le foot. On connaît le football. Zinedine Zidane, tu viens au Paris Saint-Germain, hein? Il y a tout qui va s'ouvrir à toi. Tu comprends? Là, tu es la personnalité la préférée des Français. Tu as un défi absolument monumental avec le Paris Saint-Germain. Parce que je ne vais pas te mentir, le Paris Saint-Germain, c'est pas trop aimé en France. Tu vois ce que... Ils ont trop la haine contre nous. Parce que nous, on arrive chez eux, on leur met 3, 4-0, 5-0. Après, ils viennent au parc, on est là, on leur met 5, 8, 9-0. Et tout le public choque. Et tu vois, ça fout la haine au père de famille. Donc eux, ils rentrent chez eux, ils vont dans les faux comptes et ils insultent le Paris Saint-Germain. Donc je tiens à te dire, Zinedine Zidane, que là, c'est un gros défi qui t'attend avec le Paris Saint-Germain. Parce que premièrement, on n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Et toi, tu l'as toujours gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a un match qui va se jouer. Est-ce que ta chance de gagner tout le temps la Ligue des Champions, elle sera plus forte que notre malchance de tout le temps être éliminé? Qui est-ce qui va gagner dans ce duel? Est-ce que tu vas nous faire goûter à la Ligue des Champions, à la Coupe aux Grandes Oreilles? Combien de temps tu vas venir pour signer? 5 saisons? 6 saisons? Oh là 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 là! Notre entraîneur aura l'accent du Sud. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et ça va tellement foutre le seum aux gens du Sud. Oh là là, il va venir avec son accent. Ben écoutez, c'est vraiment bien. Ce qui s'est passé à Lionel Messi, c'est vraiment un grand joueur. Un grand joueur. Ah, je te le dis, hein, c'est un grand joueur. ouais, c'est comme ça. Tu comprends? On va aller fracasser tout le monde. Les Anglais, on va aller chez eux. Oh là là, ce qu'on va leur faire. Ils vont dire, oh là là, mais là, ils ont Zidane de leur côté. Même ça, ça va rentrer dans leur tête. Ça va rentrer dans la tête de toutes les équipes. Vous vous rendez pas compte. Vous, non, non. Allez. Ouais, sale rageux. Ouais, le Paris Saint-Germain, ça tue le foot. Ouais, sale rageux. Ouais, n'aie pas la haine. Ouais, écoute, on va vous fracasser l'année prochaine. Tactiquement, intellectuellement et sur le terrain. Ça a du grand n'importe quoi. Déjà, quand vous faisiez du grand n'importe quoi, ça fait combien de temps là qu'on n'arrête pas de gagner la Ligue 1, hein? On n'a perdu que 2 fois là en 12 ans. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein?
Tu veux dire quoi? Tu la fermes, nulard. On va voir l'année prochaine. On va voir.